Hey tout le monde, c'est Kekissime Brass. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Booster Pokémon, une nouvelle extension qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et puis ça, c'est du Soleil et Lune. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert de booster parce que je ne peux plus trop. Donc il va falloir que je fasse un nouveau fond. Voilà, donc là j'ai mis les photos que j'ai l'habitude de mettre en fond comme ça. Mais je vais trouver bientôt un beau set de table. Je vais plastifier des choses. Du coup, ça va être mieux. Donc, on va ouvrir 5 boosters aujourd'hui de cette box. Shiny, les gens, je sais pas quoi. Voilà. Palkia, Celebi, Flamiaou. Avec un Crocodile, Pikachu, Yveltal. On va l'ouvrir proprement. Y en a partout. Il y a du scotch partout. Donc là, j'ai pas de protège-carte. J'en reprenne, évidemment. Voilà, c'est bon. J'ai chopé le petit morceau de scotch. C'est pas évident. Et voilà, j'ai déchiré la boîte. Waouh, c'est vraiment. Je vais le faire comme ça. Sinon, je vais jamais y arriver. Voilà. Et voilà. Waouh! Il y en a beaucoup. C'est bon. Et oui. Et on va prendre les 5 premiers. Waouh! C'est si beau. J'ouvre pas le petit. J'ai pas envie de couper Mew. C'est pour ça que je la laisse comme ça. Waouh! Ils sont beaux, hein. Des boosters, faut les garder. Je vais poser ici. Bon, ça fait pas vraiment cette de table, hein, ça fait un peu bazar. Waouh! Évidemment, l'objectif c'est d'avoir un maximum de brillants, peut-être 2-3. Oula, pardon. Ah, je connais pas trop l'ordre des cartes. Waouh, ils sont beaux les boosters. Hein. Alors. Il y a 8 cartes. On va voir comment ça va se présenter. On a un Quillfish. Oh, la mise au point ne veut pas trop se faire. Chacripant. Les cartes sont lisses, ça fait longtemps que j'avais pas ouvert de booster. Troisième carte, un Bagiguan. Un petit bâton. Spiriton, bon, on a beaucoup de cartes de type ténèbres. On a un champignon. Lily. Énergie combat. Là, il y a une carte. Waouh! Oh! Raichu GX Full Art! Dès le premier booster! Mais c'est quoi ça? Le premier booster de cette box. On a un Raichu GX. Et c'est la première ultra rare de Soleil et Lune que je tire. Waouh! Je voyais que ça brillait, mais je pensais que les rares étaient comme ça. Oh là là, il se lit, hein. Waouh! Incroyable! Alors là, c'est bon, l'ouverture est réussie. Et la box est rentable, hein, avec une secrète directement. Ah, il est rentré beau. Et j'ai pas de protège-carte, non!
Waouh! On va le remettre proprement dans sa... dans son booster. Voilà. Et voilà, je vais pas le jeter, ça c'est clair. Waouh, super! Le premier booster. Et on a une secrète. Bon, parfait. Donc dans les box coréennes, je crois que secrète, c'est vraiment pas commun. Oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on pouvait avoir des ultras dans cette Shinin collection. Y a les cartes phares, les Shiny, et puis d'autres. Les GX. Donc c'est la dernière carte du booster. L'ultra du coup. Ça c'est bien. Alors c'est parti tout de suite avec un chat crippant. Gringolem. Matoufeu. Chapignon. Ah désolé pour la mise au point. Ça veut pas. Électrode. Chris. Énergie obscurité et... Oh, Viridium holographique, c'est vrai. Ah, il y a des holos. Très beau. Pour l'instant, on a un sans faute. Un sans faute en deux boosters. Une secrète et une holo. Une secrète full art, bon, c'est une full art. Hein, en français, je pense pas qu'il soit secrète. Vraiment de la chance parce que j'achète pas énormément de box et avoir des secrètes dans ces box c'est vraiment rare. On s'en souvient du Mentally Full Art que j'avais eu dans la box Rupture Turbo un palier destin et le Mew vraiment brillant brillant. Ouais. Bon là j'ai mal ouvert. C'est parti. On commence avec un Balignon. On a déjà eu ce pignon. Donc là maintenant on a Balignon. Le Pikachu avec un arc-en-ciel derrière. Cool fish. Encore une fois. Les cartes glissent, ça se voit que c'est du neuf et tout. Pyrax. Un Spiritomb. Double énergie incolore. Une énergie psy. Il y a une énergie par booster. À l'avant-dernière place et. Oh! Riku! Holographique. On dirait sa position dans Ultra Soleil et Lune, dans les Ultra Brèches, en haut de sa falaise. Et là, on a une holo par booster, hein, quoi. Ces box sont vraiment parfaites. L'avant-dernier booster de cette ouverture. Voilà, la vidéo est réussie. Pas de tri. Mustéboué, tiens, on n'avait pas eu. Style un peu dessin. Un Pyrounis. J'ai pris Pyrax. Oh, un petit truc là. Je sais pas ce que c'est. Vous allez pas bien voir. Il y a une mauvaise mise au point. Abo. Mustéflotte, tiens. Qui patauge. Ces cartes des ultra brèches. Hein. Lipoutou. Lily encore une fois. Ah, l'énergie fée, on l'avait pas eu. Waouh! Ou pas déchaîné. Mais vraiment belle, hein. Ah, c'est vrai, c'est lui qui invoque tous ces légendaires. Raikou, Viridium. Dernier booster. Ça va être le quart de la box, vu qu'il y a un booster. Donc là,
Normalement, on n'a pas de shiny, hein. Bagiguan. Un but bizarre. Negapi. Jouer Pouzipi dans le fond qui est tombé. Vortante. Et un peu triste. Bagaïd, qu'on n'avait pas eu. Recyclage d'énergie. L'énergie plante et Reshiram. Une position un peu comme celle de Zekrom dans. Oh, je m'en souviens plus dans. C'est le rugissant. Ah, je sais plus l'extension. Quand il est dans les airs comme ça. Et voici le récap. En 4 boosters, voilà, on a 3 holos. Avec. 4 holos, pardon. 5 boosters ou pas déchaînés. Raikou, Viridium et Reshiram. Et Raichu GX Full Art. La secrète de cette box, elle est là. Ah, très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Salut!